Vous êtes sur RTL. Daniel Evenou, est-ce que vous connaissez tout le monde ici? Comment s'appellent les deux dames qui entourent Pierre Bénichoux? Alors. Dites-toi rien. Vous venez de le dire. Oui, ben, je vous le redemande. Et un indice. Armel. Pardon? Armel. Oui, et l'autre dame? Polnareff. Non, moi, je sais que... Ah oui, oui, enfin non. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit air de Marmel. Oh, merde, de Maroilles. De... Oh, mon Dieu. La pauvre, March, moi, tu m'as dit le nom de famille. Moi, je trouve qu'on lui parle. Marcello. Cella. Cella, de Cella. Ah, moi, je trouve qu'on... C'est Ringo qui disait ça, on a Marcella. C'est un... Mais Marcella. Non, Cello. Marcella. Marcella. C'est Marcella en brésilien? Oui, non, en brésilien. Je ne suis pas brésilienne. Mais non, tu oublies tout. Mais tu es doux. Mais tu confonds homme-femme. Pour toi, il n'y a aucune différence entre les choses en général. C'est un peu dur pour moi, oui. Entre Pierre, Daniel et Yacoub, là, ça va être chaud. Dites, c'est quoi votre livre, d'ailleurs, Marcella et Yacoub ? En couple avec moi-même. Voilà un drôle de titre. C'est un livre sur la... L'onanisme ? Oui, la masturbation. Je sais ce que c'est. Ah non, non. Un couple avec moi-même. Ça veut dire qu'elle doit se dire « je t'aime » tous les matins. Quelque... Mais tu vois que c'est les fous qui comprennent tout. Mais ça peut être que ça. Moi, j'ai décidé, j'ai passé quelques jours avec toi à Cherbourg. Ah oui, c'est pour ça que je te raconte. Mais ça, tu te souviens de ça? Oui, mais toi, tu me marques. Ah enfin, tu pas marqué. Mais pourtant, elle n'est pas, pas... Non, parce que grâce à moi, elle a dragué, elle a trouvé un super mec, en fait. Ah bon? Je lui dis, montre-lui tes fesses. Et je l'ai fait. Dans les trains, elle a fait, le mec, il a réagi. Ah. Mais où j'étais? Il était encore vivant, le mec, dans alors. Un train. Un type de 45 ans. Mais une bombe sexuelle, elle a trouvé une bombe sexuelle. Très souvent, ça commence à 45 ans. Et vous a réécrit depuis? Oui. Le garçon du train Paris-Cherbourg. Oui. Ne me rappelle plus jamais, il a écrit. Ah non, c'est, alors, il m'a dragué. Et là, j'ai fait une chose pour la première fois de ma vie. Je lui ai donné une carte, parce que je n'avais pas de carte de visite avant. Et je, ça y est, j'étais pas sûr, on m'a dit, ça sert à rien, ça n'était pas sûr. Donc, une carte de visite. Moi, je crois qu'on lui parle pas un bon service en la montrant en public. Moi, j'adore la bêtise de Daniel. Qu'est-ce qui vous plaît chez Daniel à ce point? Je sais pas, parce que tu vois, pourquoi l'intelligent? Pourquoi il faut être intelligent et tout ça? Peut-être comme a dit ton père. Je suis si con. Non, mais c'est ça qui est magnifique, tu vois. Cette espèce de... On est tous trop racistes avec ça. Ah bon? Oui. Tu crois qu'ils sont méchants avec moi? Et c'est celle qui connaît pas le président de son pays qui dit ça. Merci, Marcello. Marcella. Là. T'as raison, Marcello. Marcello, parce que est-ce que tu as envie de moi que tu me masculinises? Ah, et je vais te chanter la chanson d'avant. Ah, chante-la moi. J'aime ton cul. C'est pas j'aime, c'est je rêve de. Je rêve de ton cul, Marcella. Je rêve de ton cul sur le matelas. Je rêve de ton cul au-delà, au-delà. Je rêve de ton cul, je te garde près de moi. Oh!